et c'est parti pour cette finale avec les deux premiers points de Nathan Jurkovic. Ça s'est travaillé à l'entraînement. Ça s'est préparé à l'entraînement. Noté, déjà avec Jurkovic. Jurkovic, il a deux joueurs pour lui. C'était Keyval et Molson. Magnifique. Et le dunk de Green. Allez, Green aussi qui va en pénétration. Les deux points et la faute pour l'Américain. Allez, toujours 9 à 7 pour Vevey. Mais Fribourg Olympique est à l'attaque. Martin à 3 points. C'est réussi pour Kylian Martin. Kazadi toujours. Il va aller seul, il reste 5 secondes. Sané, le bras roulé, c'est réussi. Un essai de nouveau. Aussi à trouver ça. Vevey qui revient. Jurkovic face à Molson. Jurkovic avec Couture. Sané, le 2. Magnifique. Le rebond pour Couture, non, pour Duba, non, pour Kazadi. Et qui trouve tout de suite Williams. Ouf, ça et Williams faute. Avec la faute. Ah ouais. Kovic qui trouve une solution. Là, il trouve Raoult, mais il n'arrive pas à s'emparer du ballon. Ici, Olympique, qui peut repartir en contre avec Kazadi, Couture. Et le dunk de Nathan Jurkovic. C'est des bonnes passes au bon moment. Et là, la passe de Couture, même s'il regarde, il sait qu'il y a Nathan de Jurkovic dans son dos. Sixième point déjà pour lui. En cette fin de dimanche, 38-23, Duba avec la faute. Sané mal rentré dans cette deuxième période. La faute de Couture et les deux points. On voit un petit peu du jeu. Kazadi, Jurkovic, François Pierre qui a annoncé le retour de Note et Gilles là en possession du ballon. Trouve une solution. Martin aussi à 3 points. C'est réussi. C'est bien exécuté. Et la joie de Kylian Martin. Et Thibaut Petit qui réclame une technique, oui, à Duba qui trash Kylian Martin. Parce qu'il pensait que son cri avant, ça lui était destiné. Et la Green à 3 points. La réponse de Xavier Green. Rao à 3 points. C'est court le rebond pour Joe Kazadi. Et le dunk de Martin. Et Green est bien pris. Kazadi, ouais, c'est magnifiquement fait. Ouh, la passe de Green, là c'était dangereux, heureusement. Martin et Sané étaient attentifs. Kazadi, 2 points de plus pour le numéro 6. Il a Green sur le côté, il l'a vu. Retour à Nottage. Retour à Green, à 3 points, il est loin. Oh, c'est réussi, c'est magnifiquement fait. Si il a joué 6 minutes, est-ce que vous le voyez sur le banc? Là, je suis avec Thomas Jurkovic justement qui souffre énormément des deux doigts. Je pense qu'on ne reverra pas sur le parquet aujourd'hui. De possession pour les Fribourgeois notés. Gini va tout seul, non? Couture, voilà. Les deux pieds dans le béton, je prends la balle pour. Fribourg Olympique qui remporte la SBL Cup 2024.